Bonjour, aujourd'hui chanson modifiée demandée. Il s'agit de Qui a le droit de Patrick Bruel. On m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, mon gars, le virus il est loin. À quoi ça sert de vouloir anticiper? Si ça se trouve, il viendra pas à nous. On m'avait dit, faut écouter Macron. Mais il a pas l'air d'en savoir plus que nous. Oui, mais alors, comment on va faire? Est-ce que Raoult, il a vraiment raison? Des solutions qui pourra en trouver? Pour nous sortir de l'épidémie et reprendre la vie, on passe notre temps à dire merci au personnel soignant. Mais pour les aider, il faudrait peut-être se confiner. Et pas sortir. On m'avait dit, les hommes sont tous pareils, ils n'écoutent rien au moindre rayon de soleil. Ils sont dans les rues en train de se faire bronzer. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Pour toi aussi, j'ai une petite pensée. Toi, l'employé qui ne touche pas son salaire, tu te demandes combien ça va durer, car tu galères pour te payer à manger. Des solutions qui pourra pour nous sortir de l'épidémie et reprendre la vie. On passe notre temps à critiquer, mais pas à respecter ce qu'on nous demande. Donc pas la peine de se plaindre après du prolongement des solutions qui pourraient en trouver pour nous sortir de l'épidémie et reprendre la vie. On passe son temps à dire merci. Mais parfois on oublie ceux qui derrière gardent les enfants, nos personnels soignants. Voilà,
J'espère que vous avez apprécié cette modification de chansons. Effectivement, on redit merci à tous ceux qui, pendant cette crise, nous aident. Hein. N'oublions pas, il y a les soignants, mais il y a encore beaucoup d'autres personnes aussi derrière. Et n'oubliez pas également de continuer de soutenir l'association Merci Soignants, les comédiens de Demain nous appartient, dont mon ami Marie fait partie. On tournait une deuxième scénette, donc je mettrai le lien en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour aider à fournir des repas à nos soignants. Bonne fin de journée à vous et à demain.